j'avoue que je me suis trompée. J'avoue, quand ton regard se pose sur moi, oui, j'avoue, tu as mes pensées et mon sommeil. Mais j'avoue que c'est mort. Toi tu fous la merde, tu veux que j'avoue mes torts là. Ce soir je vous emmène dans une région où il fait certes un peu froid, mais où les habitants sont loin d'être froids. Une contrée en Amérique du Nord où l'on parle le français et où la religion est le hockey sur glace. On y savoure des spécialités telles que la poutine, et l'ingrédient phare omniprésent de la cuisine jusqu'au cocktail est l'érable. Vous l'avez peut-être sur le bout de la langue, nous sommes au carrefour des États-Unis et de l'Europe, dans une ambassade des plus singulières. Plus qu'un simple bar, mieux qu'un bistrot, au détour du quartier des Batignolles dans le 17e arrondissement de Paris, aux 4 rue Bernard Buffet plus précisément, il suffit de franchir la grande porte vitrée pour pénétrer dans ce lieu qui vous transporte sans même avoir voyagé. Pour cette nouvelle année, mon cadeau, eh ben c'est un petit son que je vous ai dégoté. Et c'est mon coup de cœur que je vous dédicace à tous. Ça s'appelle Joss Austin et c'est What's Your Name. On l'écoute tout de suite dans J'avoue sur Fréquence 3. Lately, I've been thinking maybe I could write a song that could describe. Joss Austin, What's Your Name? My name is Daniel sur Fréquence 3 et vous êtes sur J'avoue. C'est la petite nouveauté, tu connaissais ça, la voix? Absolument pas, enfin, ça dépend. Est-ce que tu me dis avant que tu me le fasses écouter 25 fois avant que j'ai vu l'émission? Mais effectivement, avant que tu m'en parles, tu mentionnes, c'était sorti de mon radar, c'est rafraîchissant. C'est sorti de son radar. Ce petit ukulélé, sa petite gratouille et cette voix. Daniel, il a toujours des sons qu'on n'entend jamais. Jamais, en fait. Nulle part.